Bienvenue dans la deuxième épisode de notre série Friends Trip. Si vous n'avez pas encore regardé la première épisode, faites un petit tour sur la chaîne YouTube pour pouvoir la regarder. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes un groupe d'amis et nous avons décidé de prendre des vacances ensemble. Notre destination, le Cap Haïtien, dans le nord d'Haïti. Ensemble, on fait des folies, on a des fous rires, on découvre plein de choses et je vous invite à regarder ça. Aujourd'hui est lundi et nous sommes en train de faire notre marché. Bon, là c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est un marché, mais voyez les étals, tout le monde est bien rangé. Nous jouons épices, nous jouons bananes, du riz, tout ça nous besoin net, nous jouons ligne. Vraiment j'aime le modèle ça. Donc c'est vraiment où entrer, où sentir entrer nos marchés, vraiment marché traditionnel haïtien. On va gagner chaleur, on va gagner foule, et salubrité, tout ça. Vraiment, parce que c'est son bel modèle à produit. Tu vas pas chez là, Claudia? C'est lié avec ça? Non. Non. Je vais acheter tout le bagage que vous voulez déjà. En fait, pour que ça n'a pas fait marcher avant ce jeudi, hein, on a décidé que c'est nous qui allons cuisiner. Claudia va le rester faire manger dans sa vie. Bravo, mon cher. Donc, nous sommes dans la marquette, nous sommes chez. L'autre ingrédient est là, nous besoin de marché. Et marché était loin nous, sauf les gens qui référent nous là, nous venir. Nous vraiment aimer l'espace là. Donc, dépêchez nous là pour nous faire marcher. Pour nous faire manger. Je vais nous tout ça, nous faire comme manger. Bon, on revient du marché. On est enfin à la maison. Et voilà. On a tout. On a de la viande. On a des épices. Et on va préparer à manger. Pendant que nous étions au marché, Claudia et moi, Myrlène avait préparé le petit déj, des spaghettis. Et là, ce sont des épices que je viens d'acheter. Monsieur, dame, la société cause pas pour nous. On va raconter nous quand même. Nous sommes actuellement dans un Airbnb que nous avons loué au Cap Haïtien. Tout le monde dans le voyage est en couple. Il n'y a que moi qui est en couple avec ma fille, Candice. Donc aujourd'hui, c'est lundi, mais au Cap Haïtien, il fait un temps de chien. Ont-ils appuyé, cap tombé. Et ce qui arrive, c'est que tout le monde reste en couple dans leur chambre et il n'y a que moi qui fais la cuisine. Heureusement que Asunta est descendue pour m'aider dans la cuisine. Donc à nous deux, on va préparer un magnifique dîner. Oh,
Ok, là maintenant, mine soumitob est à la cuisine. On est au Cap-Haïtien, comme vous le savez déjà. On est en couple, elle est célibataire. Comme dit nous, on dit, on fait un temps de chien. C'est un temps climatique. Malheureusement, la maintenant, on a dit, est enfermée dans leur chambre à deux et moi, je suis à la cuisine. Moi, quand vous habitez, mes poulets. J'étais venue pour ça, non? Mais oui. Et là, je suis en train de préparer une sauce pour mes poulets. Ça, c'est une sauce noix de coco, c'est lait de coco en fait. Et puis, curry. Donc, je vais vous donner un poulet au curry. Non, lait de coco et curry. Et puis, il y a des champignons de Paris, si vous pouvez voir. Donc, après, je vais mettre au four. Donc, il y aura de la banane pesée et puis du riz. Ah. On va bien se régaler. Et on va boire quoi? Des Hawaiian punch et quoi? On a du vin aussi. On a du rosé, on a du vin, on a beaucoup de choses. Voilà. En fait, c'est une façon de préparer la fin des vacances. La fin des vacances de Noël. On dit qu'on dit. Où est-ce que tu as appris à cuisiner ce plat? Mais et... dis-nous un peu plus. Ce plat, est-ce que j'ai appris à cuisiner ce plat? Je sais pas, non? Sur YouTube, dans des livres. Ma maman était cuisinière. Quand j'étais petite, c'était le métier de ma maman. Elle enseignait ça à l'école, dans les centres pour les jeunes filles. Moi, j'ai appris à cuisiner avec ma maman depuis toute petite. Du coup, j'adore la cuisine. Je fais souvent à manger. C'est la seule activité ménagère vraiment qui ne me déprime pas. Après ça, la vaisselle, le nettoyage, la lessive. Tout me dévoue. C'est la paresse personnifiée en ce qu'il s'agit d'autres trucs que de ménage. Mais pour faire à manger, ça va. Donc, voilà, je vais mettre au four. Bon, on espère que ce sera bon. Oh, on va faire manger. Hein? Quel feu? Il y a un feu, non? Quand ça qui est bon, en haut ou en bas? Mettez la caramel. Wow. Bon, maintenant? Yes, ferme. Autorisation, hein? On n'a pas besoin d'autorisation pour version fille, quelle idée? Ok, vous demandez nous, vous demandez tout pour monsieur Ovin Bayavio. Je dis, on ne va pas parler. Oh, Kenny. Asunta. Et pas qu'on y a, non? Oh. Eh, d'ailleurs, nous ne pas manger comme ça, non? C'est bien senti bon. Nous ne pouvons pas dîner au chandelle, du vin. Mais, monsieur, l'île pour nous bien, mettre à dessus nous bien. Manger après, oui, banane après, oui. Et moi, on va suivre, oui. Et moi, on va suivre. Dans la troisième et dernière édition de notre série Friends Trip, nous sommes capables de vivre dîner. En fait, dans dîner ça, il y a un paquet de bagages qui parlent, un paquet de sujets tabous, un paquet de révélations qui fait. Oh my God! Je vous donne rendez-vous au troisième épisode là et à bientôt. Merci d'être regardé vidéo ça jeudi. Hein? Sous beaucoup abonné à la chaîne, tant pour y faire ça, cliquez sur le bouton abonner, hein? Activez la cloche là pour qu'à toujours jouer une notification vidéo. Soutenez mes vidéos ça, likez-les. Et si vous trouvez vidéo ça vraiment très intéressant, partagez-la avec vos amis. Bye bye tout le monde, à bientôt pour l'autre vidéo sur la chaîne. Cœur et plus. Justement, et de dos, il a pillé deux. Mais dis-lui, il donne une nouvelle là.